Trois élèves de la classe média se sont rendus à la ferme de la forteresse à Blanquefort, accompagnés de leur professeur de SVT. Ils ont pu interviewer M. Labégurie, propriétaire de la ferme Bovin Bio. Pour la viande, ce sont des vaches à viande qui sont exclusivement élevées pour leur viande. C'est un troupeau allaitant, donc ce sont des bêtes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce sont des bêtes qui alimentent leur petit bébé, donc leur veau, sans qu'on ait besoin d'intervenir. C'est un troupeau en plein air extensif. Donc on a une soixantaine de mères à l'extérieur qui ne rentrent absolument pas dans l'année, qu'elles veulent en été comme en hiver. On est en élevage bio, donc pas de pesticides, pas d'engrais chimiques, pas de désherbants. Alors j'ai 60 mères qui font des petits chaque année. J'ai une trentaine de génisses qui sont en renouvellement et puis quelques bêtes qui sont là pour l'engraissement, pour la vente directe. Les génisses, ce sont des jeunes femelles qu'on a gardées pour remplacer les vieilles mères. J'ai deux taureaux qui ne travaillent pas en même temps, mais qu'on met dans le troupeau alternativement pour qu'ils se battent. Vous voyez, quand il y a un animal qui est un peu spécial comme ça, on aimerait bien voilà, que personne aille les voir pour pas qu'il y ait de soucis.